Donc voilà, comme on a pu voir, le déballage est assez simple, en fait, juste une boîte de Next Mobile. Après, on retrouve du coup quelques paperasses, la coque de protection et puis le verre trempé. Donc, ce que je peux reprocher du coup à ce niveau-là, c'est que le verre trempé, il n'a pas la petite raclette pour enlever justement les bulles. Et ça, c'est un petit peu dommage quand même, parce que du coup, on peut le voir chez quelques bulles. Donc, c'est un petit peu dommage. Et donc, ça, c'est le premier point négatif sur le verre trempé. J'ai déjà acheté des verres trempés sur Amazon. Donc, j'ai pas le prix de celui-là ni celui de ceux d'Amazon, mais ils fournissaient aussi un petit guide en fait, un guide en plastique. On le mettait sur le téléphone, mais on était sûr de ne pas mettre le verre trempé de travers ou pas centré, etc. Et celui-là ne l'avait pas. Et c'est du coup un petit peu dommage. Je suis sûr que j'ai peut-être moins ici qu'ici en termes de distance de verre trempé, donc c'est un petit peu dommage. Ils fournissent aussi les petits guides, les petits stickers en guide, mais moi je trouve pas ça très simple à utiliser. Donc après, c'est peut-être parce que j'ai pas la technique, donc ça faudrait revoir. Mais voilà. Au niveau de la coque est épaisse. Je sais pas si on voit un petit peu ici. On a l'impression qu'il y a du vide entre du coup le téléphone et la coque. Enfin, on voit, c'est transparent. Mais si du coup mon intuition est bonne, on dirait que c'est plutôt du gel ou de la coque. Il doit y avoir peut-être quoi, 2 voire 5 mm d'épaisseur de coque. Donc au niveau de l'arrière, on peut supposer que ça va être résistant. Donc les appareils photos sont protégés aussi, c'est parfait. Donc le téléphone, quand on pose, enfin, mettons ici, voilà, il bouge comme ça, mais ça reste correct. Si on enlève la coque, c'est vraiment une tremblote. Si on fait comme ça, donc, je sais pas si on peut entendre. On a l'impression que l'électricité statique. Donc, je sais pas si vous avez bien entendu sur le micro. Bon, c'est pas si dérangeant que ça, mais bon, voilà, ça peut surprendre potentiellement. Ouais, ça doit dépendre peut-être aussi de la matière qu'on utilise en vêtements. Et je trouve aussi que la coque est assez glissante sur les côtés. Donc, on peut, je pense, très facilement faire tomber le téléphone. Donc, voilà. Donc, ça, c'est à peu près tout pour Next Mobile. Je m'attendais à avoir du coup une facture ou quelque chose en carton, et puis j'ai rien eu de ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, bon voilà, j'ai configuré. Donc, on peut voir le Dynamic Island. J'ai déjà mis quelques applications dessus, donc toutes mes applications standard. J'ai déjà commencé à le configurer. J'ai énormément de trucs à configurer entre les raccourcis, les alarmes, les automatisations, et tout ça, tout ça. Les applications aussi à configurer avec des comptes différents, des mots de passe différents, retrouver le mot de passe, machin. Enfin, je vous passe les détails. Enfin, c'est vraiment long. Et là, à ce jour, à 9h26, je l'ai eu hier, à ce jour, j'ai toujours pas fini de configurer. Il y a encore des trucs que je n'ai pas fini. J'ai toujours pas mis de musique dessus. Je suis en retard. Bon, après, j'ai ma vie de famille qui fait en sorte, enfin, qui fait que je ne peux pas tout faire en même temps. Mais voilà, donc quand même pas mal de petits trucs à revoir. Au niveau de la fluidité, c'est vrai que c'est quand même fluide. Elle a pas de doute à se poser. C'est vraiment fluide, hein. Moi, je trouve ça assez surprenant quand même. Qu'est-ce que je pourrais montrer pour ça? Pas trop entendu. Donc le mot gratuit, non, j'en ai pas besoin. Je sais pas si on le verra sur le. Ouais, on verra rien ici, quoi. Le son, j'ai l'impression par rapport à l'iPhone 12 Pro qu'il est beaucoup plus fort. Pourtant, je suis pas très élevé. Voilà, je suis à ce niveau-là et j'entends super, super bien. Donc peut-être une histoire de propreté, peut-être une histoire de. Ils ont amplifié par rapport à l'iPhone 12 Pro. Mais voilà. Comparé à l'iPhone 12 Pro, je filme avec, je peux pas le montrer, mais il est quand même légèrement plus épais. Ils font le même poids. Donc c'est vrai que moi je vois pas énormément de changement en termes de poids. Quand on passe d'un 12 Pro à un 15 Pro, par contre si on passe d'un 13 Pro par contre à un 15 Pro, là on voit énormément de différence, on voit
bah, presque 40 grammes, je crois, de différence. 227 pour l'iPhone 13 Pro et puis 187 pour celui-là. Donc là, quand même, une différence. Donc je suis parti un petit peu quand même à Apple à l'aveuglette sur cet iPhone. Hein. Donc je savais déjà que je voulais pas le bleu, ni le noir, ni le blanc. Donc je savais que c'était naturel. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit un gris comme ça. Bon là, c'est un peu gâché par la coque. Mais je m'attendais pas à un gris comme ça. Je m'attendais à un gris un peu plus foncé quand même. Donc moi j'avais l'iPhone 12 Pro en bleu, qui était une très belle couleur. Mais je trouvais que sur le 15 Pro, le bleu était pas très fameux non plus. Donc bon voilà, ça change pas grand chose, après faut s'adapter quoi, j'ai envie de dire. Et puis les appareils photo aussi. Déjà sur le 13 Pro, les appareils photo sortaient énormément, ils étaient assez gros par rapport au 12 Pro. Et c'est vrai qu'ils sont minuscules sur le 12 Pro. Mais voilà, donc c'est à peu près tout pour ce déballage. Pour le moment je suis très satisfait, donc je me suis fait aussi par exemple une petite automatisation avec le petit bouton action, et je pense que j'ai un peu le réflexe de l'utiliser quand même. Donc là voilà, le mode silence, appareil photo, caméra, allumer l'ordinateur, Shazam, la maison. Enfin voilà, j'ai pas mal de petits trucs comme ça. Et c'est vrai que même si je tiens par exemple à une main, mon pouce se met assez facilement dessus sans trop de difficultés. Bon, quand je suis d'autres mains, bon, c'est vrai qu'il faut que je fasse un peu descendre le téléphone de ma main pour pouvoir appuyer dessus. Si je suis à deux mains, ça peut le faire aussi. Donc, je pense que pour moi, ce bouton n'est pas un achat, on va dire, inutile. Et je pense que je vais l'utiliser énormément. Ce bouton n'est pas déplaisant. La Dynamic Island n'est pas déplaisante pour le moment, bien qu'elle me sert uniquement pour le moment à payer. Enfin, avoir le visuel quand je paye. Pour le moment, j'ai pas mis de musique, donc j'ai pas vu la différence. Sur les vidéos, c'est même mieux par rapport à l'iPhone 12 Pro, je trouve. Après, voilà, faut s'y habituer, je pense. Et voilà, c'est mon avis en tant que petit youtubeur, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus. J'ai eu le téléphone un peu tard par rapport aux autres, mais voilà, ça peut peut-être vous donner un autre avis, un autre aperçu du téléphone avec Next Mobile, parce que je crois que je suis le seul à avoir fait une vidéo dessus. Avec Next Mobile. Donc voilà, après, les gros youtubeurs n'ont pas fait Next Mobile, ils ont directement acheté le téléphone, ils ont les moyens, ils peuvent se permettre. Mais moi, voilà, en tant que petit youtubeur, j'ai pas les moyens d'acheter tous les iPhones et de vous faire des vidéos dessus. Mais voilà. Bah, je vois que la boîte, par contre, elle a bien déteint par rapport à la boîte Next Mobile. Donc ça, c'est un petit peu dommage, par contre. Qu'ils soient devenus rouges comme ça. Leur rouge est un peu, il déteint quoi. Faudrait faire attention à ça. Je sais pas si un jour ils verront ma vidéo. Je les contacterai aussi pour leur envoyer une photo pour leur montrer. Mais voilà, ce serait quelque chose à faire attention quand même. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.